Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Vinted. Allez, c'est parti! Alors, je mens un petit peu parce que il y a une pièce qui n'est pas de chez Vinted et on va commencer par celle-ci. Donc, je me suis rendue à un marché de Noël et il y avait un stand de la Croix-Rouge. Et au stand de la Croix-Rouge, donc j'ai acheté la veilleuse de la dernière fois. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Et ils avaient également des enveloppes surprises. Donc j'ai tiré une enveloppe surprise à 3 euros, il me semble. Et j'ai gagné un DVD. Et donc du coup, j'ai récupéré ce DVD-là, Titanic, un incontournable. C'est un film que j'ai vu. Si vous me connaissez, j'ai une culture cinématographique proche du néant, mais Titanic, je l'ai vu, je l'avais même en cassette chez ma maman. Et donc voilà, je l'ai repris avec Leonardo, pardon, DiCaprio, qui était bien jeune à ce moment-là, Kate Winslet, qui est magnifique. Et tout simplement, on est dans une période que j'adore, et c'est un film tellement magnifique. J'adore la chanson de Céline Dion. Donc voilà, donc c'est le seul achat entre guillemets qui n'est pas de Vinted, mais tout le reste c'est de Vinted. J'ai également acheté donc en 2022, puisque ce sont des achats que j'ai effectués en 2022 que je vous présente, une tasse qui était un cadeau de Noël pour mon neveu. Et le compte Vinted sur lequel j'ai acheté cette tasse, en fait, il me semble, ne vend que des tasses. Et en fait, j'ai visité un petit peu son compte Vinted et je suis tombée sur une tasse magnifique. Et je me suis dit, bah, on va demander une petite ristourne si je prends une tasse. Et regardez celle-ci. Vous l'avez vue si vous avez observé la miniature. J'étais obligée, j'avais pas le choix. J'habite chez mon chat, mais c'est moi qui paye le loyer. Elle est mais trop trop mimi. Et ce qui est trop marrant en fait, c'est que ma soeur pour Noël m'a acheté aussi une tasse chat. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais boire dans les deux, à voir, pourquoi pas. J'ai déjà deux tasses, une que j'avais achetée chez Action, je crois que je vous l'avais présentée, je vous la remettrai dans le petit parce qu'il me semble qu'ils la font toujours, et une que j'avais dû acheter chez Intermarché, elles sont dans mon bureau, c'est pour ça que je regarde par là. Et pour être honnête avec vous, j'ose pas boire dedans parce que je les trouve tellement mimi, j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, je ne sais pas, à voir. Peut-être que j'en emmènerai une au travail. Je ne sais pas encore, mais vraiment très très mimi. Alors c'est vrai que je l'ai payée un petit peu cher. Après, elle est totalement neuve. Je pense que la personne qui a ce compte Vinted est un revendeur de produits de ce genre-là. Enfin bref, je ne sais pas trop. Et sinon, je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, j'ai vraiment envie en fait de me créer une collection de livres jeunesse, donc de plusieurs séries, plusieurs collections. Et donc là, j'ai fait une super affaire, vous le verrez une fois que je vais vous montrer tous les livres, parce que oui, vous avez bien entendu, j'ai réussi à dénicher en fait une collection, alors pas totalement complète, d'ailleurs je ne sais pas si un jour elle sera complète. Parce que, en tout cas, avec les recherches que j'ai faites, impossible de savoir combien il y a de tomes en tout dans cette collection. J'ai tapé tout un tas de choses sur Internet. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc, sans plus tarder, je vous montre les achats livres jeunesse que j'ai faits dans une collection bien spéciale. Enfin, je vous ai fait du suspense, mais pareil, si vous avez vu la miniature, vous savez. Donc, j'ai mis la main sur plusieurs tomes de la collection Les Aventures de Barbie. Donc, ça date des années 90. Vous savez que je suis une grande, grande fan des années 90. Et donc, voilà, c'est des livres qui sont ni petits ni grands. Ils ont une taille, on va dire, un peu intermédiaire. Au dos, vous avez tout le temps en fait les visages des personnages avec qui ils sont et qui ils sont pour Barbie. Une petite description. Vous avez la tranche qui est colorée, un peu sur le même thème que l'histoire, avec donc les aventures de Barbie et le titre de noter, et vous n'avez pas de numéro. Donc au moins l'avantage, c'est que quand vous exposez dans votre bibliothèque votre collection, vous la rangez dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas encore si je vais ranger
par thématique, couleur ou par ordre alphabétique. J'ai pas encore trop d'idées. Et donc l'avantage, c'est que comme vous n'avez pas de numéro, bah, vous ne savez pas si il vous en manque ou pas. Et donc voilà, je vais vous montrer les livres. Et par contre, bah, on va mettre une musique parce que ça va durer un petit moment. Je ne sais pas là avec la luminosité de la lumière ce que ça va donner, mais peut-être que j'inscrirai du coup les noms des tomes si jamais vous ne les voyez pas très bien. Donc, on commence avec celui-ci. Le constater à une sacrée pile de livres. Donc je vous mets juste ici le nombre de tomes que j'ai et le prix que j'ai payé et donc du coup à combien le livre m'est revenu et je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, j'ai fait une super affaire. En plus les livres sont en très très bon état. Franchement je pense qu'ils n'ont jamais été lus. Il y en a certains je pense qu'ils n'ont jamais été ouverts parce que vous savez que quand je les ai ouverts, quand on ouvre, ça a tendance à faire un bruit et c'était le cas. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. Alors, pour information, j'ai pas du tout eu ces livres-là quand j'étais plus jeune. Et donc, à l'intérieur, ça nous donne ceci. Vous avez pour chaque page, en fait, des dessins et quand même pas mal d'écriture. Et l'intérieur, bah, forcément, c'est rose, hein.
Et du coup, hop, pardon, je vais essayer de ne pas les abîmer. Vous avez à chaque fois une petite image au départ, le titre, et on part sur la lecture. Donc là, celui-ci, par exemple, il date de 1996. Celui-ci, le Barbie ballerine. Et donc voilà, on retrouve typiquement les choses des années 90, que ce soit au niveau des images, de la façon dont est représentée Barbie, parce que Barbie, elle a évolué un peu dans le temps. Et franchement, très très contente d'avoir acquis tous ces livres-là. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si sur Vinted, vous recherchez des livres, et sinon... quelles sont là vos recherches que vous faites sur Vinted. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale autour de mes recherches sur Vinted, que ce soit autour des marques que je recherche, des livres, etc. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bisous. Ah oui, et n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.